Coucou tout le monde, c'est Jotor Kao, ou Joti pour les intimes, et nous voilà sur le tout nouvel épisode du collectionneur. Donc, je remarque que ma souris n'est pas prise en charge par le logiciel, et que je vais devoir faire une ménécopure pour la retrouver. Mais bon, comme vous avez pu voir, Esther a déménagé, enfin, après chaque épisode dans un tout petit appartement. Il était temps quand même qu'on déménage, parce que ça commençait à faire petit, et... pour les collections qu'on allait avoir, ça allait pas être le must. Donc, mesure, le prisme, on aime le prisme. Donc voilà, c'est un appartement que j'ai trouvé et qui a été fait par je ne sais plus qui de toute manière. Vous le verrez écrit en plein milieu de l'écran et dans la description parce que je trouve que on ne dit pas assez le nom des créateurs de certaines constructions et moi j'aime bien le faire. Tout simplement par respect, c'est comme un dessin, on aime bien mettre la source. Donc, hop, tac. Donc ouais, c'est très très grand appart. On reste à San Meshuno parce que je trouvais ça cool de rester dans le coin. Ça m'aura ennuyé en fait de partir alors qu'il y a tellement de choses à faire ici. Et, la vie en ville, je la trouve très sympa, même si la campagne c'est bien, mais... Bon, peut-être qu'à un moment ou un autre, on aura une très grande maison, genre un terrain 40x30, mais pour le moment, je compte pas là-dessus. Donc, moi, je vous explique, c'est que, comme à chaque fois que je fais un épisode, j'ai toujours des soucis. Et regardez, en théorie, je devais avoir toute ma collection là-dedans, dans le coffre, et je n'ai plus rien. Je suis dégoûtée. Vraiment. Vraiment, tout ce que j'avais, ça a disparu. Et encore heureux, dans les collections du foyer, ça compte. Voilà. On a quand même quelques trucs, mais c'est... Voilà. J'aurais préféré garder tout mon stuff, quoi. Ça aurait été bien. D'ailleurs, ouais, de toute manière, il va falloir qu'on fasse la chasse aux grenouilles et tout ça. Il va falloir qu'on aille aussi à Salvadorada. Donc c'est prévu. Donc je pense que ça va être un tout petit épisode, d'ailleurs, parce que honnêtement... Je suis pas mal fatiguée en ce moment. Oui, c'est moi qui dis que je suis fatiguée alors que je fous rien de mes journées. Non, mais c'est juste que j'ai tellement de choses à faire en ce moment et ça me prend pas mal de temps. J'épargne les détails. Donc du coup, est-ce qu'on a des sous un petit peu, s'il te plaît? Est-ce qu'il faut que j'arrose? Non. Est-ce que j'ai fertilisé d'ailleurs? Ouais. Il va falloir que je plante des trucs à tout ça. Je vais me faire tout un petit côté jardin. Mais comme il va y avoir les saisons qui vont arriver, je crois que je vais utiliser tout ce qu'on a. Genre, je vais mettre une balançoire et plein d'autres petits trucs. Et je reviens parce qu'en fait, ça me stresse tout simplement de ne pas avoir la souris maintenant, même si c'est pas la souris du jeu, parce qu'elle bug. Donc je reviens. Nous revoilà, en espérant que ça coupe pas parce que mon enregistreur, il fait vraiment de la merde en ce moment. On est quelle heure? Est-ce que j'ai réactivé la détérioration des besoins? Attendez, je vérifie. Activer. Voilà. Donc, en théorie, ça devrait être bon. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est vrai, il y avait le boulot. On n'est même pas allé au boulot. Hein? Mais non, c'est pas grave. De toute manière, on imagine qu'au sommet de la carrière, c'est Store le patron. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Allumer cette pièce. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas. Donc nous, je pense qu'on devrait quand même peut-être cuisiner quelques trucs. Oui, j'ai encore le mode week-end, mais vous en faites pas. Il va très très vite disparaître. Tout simplement parce que c'est pour le challenge de la place du marché. Voilà, c'est allumé! C'est pour le challenge de la place du marché. Pour ceux qui regardent, ils savent très bien que Ignis est enceinte et que pour... le machinima et tout ça, je voulais que la grossesse dure plus longtemps que 3 jours. Mais dès que le mariage sera passé, j'enlève le mode. Et ça sera très très bien parce que du coup, on va pouvoir s'amuser comme on veut. Allez, fais-nous un petit peu à manger, histoire. Donc dans cet appartement, il y avait pas mal de choses qui ont été de base, comme la cuisine. J'ai changé tout le reste, à part la cuisine. J'ai rajouté quelques... trucs et tout ça parce que je trouve ça cool. T'es long à la cuisine, Esther. T'es plus que long. Voilà. Ouais, de toute manière, maintenant qu'on a une mini salle de sport, rien que pour nous,
Tout va bien. Je trouve ça quand même un peu triste, un petit bonhomme dans une baraque comme ça. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir que j'avance et que bah cette pièce-là, je vais. Ah! Bah tiens, Résidence Challenger. Oui, on va voir si on peut venir avec quelqu'un. On va venir avec papa. On ne voit rien, il fait tout noir ici. Bonjour papa. Voyons Glacia, non, j'étais malade. Ce serait bien aussi d'avoir quand même une bonne relation avec notre père. Allez causer un petit peu les hommes. Oui, ça peur des vampires. Mais non, mais on s'en fiche des vampires, on leur crame la tronche. Bah. Pourquoi est-ce que l'event s'est terminé alors que. Voilà, je me disais bien que j'entendais Brayden. Salut, espèce de. Merde. Voilà. Et parce que je veux vraiment qu'il se déteste, donc je vais faire en sorte qu'il se déteste vraiment. Et pourquoi est-ce que t'es passé par là alors que la porte d'entrée, elle est pas là? Elle est où, Ignis, du coup? Ah, peut-être au boulot. Ah ouais, c'est pour ça que l'event s'est terminé, c'est parce que Ignis est au boulot. Remercie Brayden, ouais, peut-être. Même si c'est honnêtement ta fiancée qui nous a invités. Bon. Calmez les émotions. Alors que je veux qu'il s'apprécie, je fais en sorte qu'il. N'importe quoi. Accusé d'être un extraterrestre? Mais alors qu'il ne l'est pas? Ah! Du nudisme! Du nudisme, je m'en fous! Bon, vous savez quoi, on va s'occuper de leurs plantes. Là, ah, vous n'avez rien vu. Je couperai ce moment au passage, au montage. Ouais, bon, vous savez quoi, on va carrément aller chercher des pierres et tout ça. Ah oui, mais c'est vrai, mais j'aime pas jouer en pleine nuit, ça m'énerve. Non, j'aime pas. On va rentrer, ouais, parce que au final, il n'y a même pas Ignis, il y a juste Brayden et. On voit même pas le bidou de notre petite sœur qui est en train de. D'avoir un. De bientôt avoir un petit bébé. Et du coup, où est notre bouffe? Bah, du coup, ouais, qu'on finit de manger. Ça serait bien. Ensuite, tu peux aller te coucher ou alors. J'avoue que ce serait sympa d'aller à Salvadorada, mais là j'ai pas le temps pour faire une construction spéciale pour Esther. Et. Bah ça sera fait. Ça sera fait. Je pense que Esther aura sa propre petite villa. D'ailleurs, je me suis même amusée à faire sa propre petite villa pour. C'est quoi ça? Picotement épicé. Oh yeah! C'est cool! C'est quoi déjà? C'est prendre des vacances. Ta 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 ta. Bah honnêtement tout seul là. Pour le moment autant y aller tout seul. Et bah nous voilà. Nous voilà. Il fait noir. Et je pense que bah on va directement aller au marché pour directement aller faire une exploration. On va carrément aller regarder si on peut choper des poissons. Où est-ce qu'on est? C'est quoi ça? Bonjour. Justement, il y a déjà les vendeurs qui vont s'installer. Salvadorada m'a manqué, j'y suis allée qu'une fois, mais ça m'a manqué. De nuit, c'est quand même flippant, hein. On peut pêcher là, d'ailleurs. Vous savez quoi, je m'embête pas. Pêchons. Bienvenue dans la jungle. On sait, c'est pas la première fois que je viens. Merde, à chaque fois que je joue avec Estor, il fait nuit. C'est chiant.
D'ailleurs, si je me souviens bien, on peut trouver des alligators et tout ça dans la zone. Regardez! Regardez! On s'en dépêche! Bonjour. On voit tous tes pixels. C'est tellement cool. Ah! Bon, au moins, ils ont fait une petite animation, mais il a l'air d'être un gogol, ce machin. Poisson de type tambacu. Ah! Ah, oh, tiens. Non, je veux l'empailler. Le pack de plasma, là, actuellement, ça ne m'intéresse pas. Non, mais oh. Ouais, faut vraiment que je fasse une petite maisonnette. C'est quoi? Un bar. Oui, bon, les bars, je connais. Oui, je viens dans cette zone-là pour pêcher, et alors? Je prends des vacances uniquement pour pêcher, ça gêne quelqu'un? Non. Voilà. Bar, j'ai déjà. Maintenant, je m'occupe plus. Hein. Les poissons que j'ai déjà, je viens. Et je croise simplement les doigts pour avoir ceux qui me manquent. Excusez, c'est presque tout le monde et ça serait cool. Non, mais je. M'en fiche. Je crois en plus qu'il m'en manque que un, en fait, de Salvadorada. Mais les grenouilles, on s'en fiche. Les poissons, voilà, les poissons, les petits poissons. J'en ai un de Salvador. Ah non, il y en a encore deux autres. Ça a l'air d'être de gros poissons. C'est pas une anguille, ça? Non, je pense qu'il va falloir carrément qu'on aille en fait dans la jungle pour voir. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, du coup, on peut avoir des trucs gratos. Oh, c'est cool. Tetra, je connais. Il y en a qui vont dire, mais non, mais Jyoti utilise ses poissons pour tu sais, en tant qu'appât. Nana. Mais je veux de l'argent à la place. En plus, il va aller dormir et j'ai même pas pris ma tente. Spire. Encore. Ah non, c'est un autre tambacoui. J'en paye encore. Là, par contre, c'est le bon moment pour avoir des photos. Regardez. C'est qui? Benji. Ta rame de queue! Voilà, il se baisse un petit peu. Pêche, pêche, Esther, pêche. Voilà. Et photo! Et on va en profiter aussi pour. Ouais, bon, la Sims comme ça, mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, bah, du coup, bah, ouais, j'ai compris, Estor, rentre-toi, va rentrer à la maison. Les gens, j'ai remarqué que dès qu'on a notre archéologie assez élevée, on peut carrément bah, trouver des modes de terre comme ça dans les zones où on est. Je ne savais absolument pas. D'ailleurs, ouais, je pense que là, c'est le temps quand même, le moment de profiter de faire notre aspiration parce que ce serait bien. J'avais pas vu qu'il y avait un chat. T'appelles Olive. Il s'en sort avec sa motte de terre. Découvrir un objet ancien à partir d'une motte de terre. Il est long. Mode de terre en forme d'objet ancien. Ok. Est-ce qu'il peut. Hein? Notre Sims a déjà cherché récemment. Ah! Je ne savais pas. C'est un talent qu'il nous faut garder précieusement. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu des let's play sur la jungle. Donc vous savez c'est quoi le principe, c'est on se débrouille comme on peut et on croise les doigts. De mon côté c'est juste la deuxième fois que j'y vais donc. Alors, Estor se fera un chemin dans la jungle lorsqu'il manque de trébucher sur un gros œuf bizarre. Qui sait quel genre de créature y a-t-il à l'intérieur? Que doit faire Estor? Moi je touche avec.
touche doucement l'œuf avec la fleur. À sa grande surprise, l'œuf commence à se fissurer et un minuscule extraterrestre en sort et commence à grignoter la fleur. L'extraterrestre est si gentil qu'Estor décide de l'adopter. Ok. Ok, et donc c'est lequel là qu'on a? Porc-épic vivant. Quoi? Ok, bah on va avoir un truc bizarre, mais si c'est la collection, c'est bien. On va faire pipi. On va prendre l'avocat. Est-ce qu'on voit des serpents? Je veux voir les serpents. Est-ce que je peux passer par là? Oh! D'accord. C'est pas automatique. Il faut carrément trouver. Enfin, il faut vraiment tomber au bon moment, quoi. Je me demande si en fonction des jours, c'est. Ça marche ou pas. Oh! Oh! Groseille. Hey, oubliez pas cet endroit, ça reste putain de beau. Oh, j'ai le bon angle. Photo. D'accord, je me suis mise à gueuler dans le micro. Un hélicoptère! C'est tellement cool, les hélicoptères! Oui, niveau 5. Cool. Ouais, faudrait quand même que j'atteigne le niveau 10. Et ouais, chemin de machette. Y'a un cotinig. Je sens que je vais devoir faire comme la dernière fois, ça veut dire que je vais devoir dormir dans un buisson. Je plains. Estor se fera un chemin dans la végétation. Épaisse de la jungle lorsqu'il tombe sur un archéologue dans tous ses états qui semble avoir fait tomber son sac dans les sables mouvants. Compétence pêche élevée, bah j'ai niveau 10 de la compétence. Estor a un élan d'inspiration et sort sa canne à pêche. Il lance la tige, la ligne, attrape la sangle et ramène le sac. Elle est tellement contente qu'elle offre un bel objet ancien à Estor. Oh, c'est cool. Allez, débarrasse-toi de toute manière. T'as ce qu'il faut. Donc, c'est quoi? C'est un crâne omniscient non identifié. Bah, va falloir que je le fasse à la maison parce que c'est toujours plus simple. Où est-ce qu'on est? Je vois pas. Est-ce que tu peux manger déjà quelque chose? Non, je vois rien, il fait noir. Il fait noir, il fait noir. Est-ce qu'il y a un buisson quelque part? Ouais, c'est ça, franchement. Bon, la prochaine fois, je veillerai à prendre une. Bah, ma tente, quoi. Oh, c'est tellement joli, toutes ces petites lucioles. Elles sont tellement mieux animées qu'à Granite Falls. Faut pas plaisanter là-dessus. À main nue? À main nue? Comment ça, à main nue? Oh! Oh le. Il a paumé la machette. Je crois que c'est la fitness en plus que ça augmente quand c'est comme ça. Oh là 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 là. Fin des vacances dans un jour. Ah, mais de toute manière, dans tous les cas, ce serait bien. Alors qu'Estor arrive dans une clairière avec un point d'eau, il tombe sur une petite famille de cabiais en train de s'abreuver. Ils sont adorables, mais le plus petit semble un peu égratigné et perturbé. Estor doit-il tenter d'aller voir ce qui va pas ou laisser les animaux tranquilles? Bah, on va le soigner. Estor s'approche prudemment du petit cabiais et le rince. Le cabiais a l'air beaucoup mieux et gambade dans l'eau. Lorsque l'animal s'en va, Estor remarque quelque chose de brillant dans l'eau et récupère une récompense. Au temple! Oh ouais. Donc, bah, vous voyez, on est arrivé au temple et je pense que bah, ça sera pour le prochain épisode qu'on ira.
Et ouais. On a peut-être encore à peu près 24 heures de jeu. Donc je pense que c'est largement faisable. Faut juste bah, que là il dort, mais j'ai trouvé un buisson. Donc bah moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros 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 bisous sur vos fesses rebondies. Et je vous dis à la fois prochaine.